Le vendredi 15 janvier 2016, notre bateau, le Costa Diadema, accoste en début de matinée à La Spezia, en Italie. La Spezia, vue depuis le balcon de notre cabine. Notre objectif de la journée est de visiter les Cinque Terre inscrites au patrimoine de l'UNESCO. Pour cela, à la descente du bateau, nous prenons un bus navette qui nous conduit hors de l'enceinte portuaire. Puis nous continuons à pied jusqu'à la gare où nous prenons le train de 9h55. Nous descendons au village le plus éloigné, dénommé Monte Rosso. Nous nous dirigeons vers la tour Aurora, puis vers la place Colombo et visitons l'église Saint-Jean-Baptiste. Le village de Monte Rosso. La place Colombo. L'église Saint-Jean-Baptiste.
nous retournons à la gare de Monte Rosso et prenons le train pour Vernazza. Nous voici arrivés à Vernazza. Nous nous rendons à la place Marconi, en bordure de mer, d'où nous admirons le paysage. L'église Sainte-Marguerite d'Antioche. La place Marconi. Retour à la gare de Vernazza, où nous prenons le train pour Corniglia. Nous voici arrivés à Corniglia. De la gare de Corniglia, nous grimpons jusqu'au village situé sur un promontoire. Retour à la gare de Corniglia en attente de notre départ pour Manarola. De la gare de Manarola, nous marchons jusqu'au port, puis nous poursuivons notre visite jusqu'à la pointe Buonfiglio. La pointe Buonfiglio.
le village de Manarola, filmé depuis la pointe Buonfiglio. Depuis la pointe Buonfiglio, nous apercevons le village de Corniglia perché sur son promontoire. Nous traversons le village pour reprendre le train qui nous conduira à notre prochaine étape. Nous sommes à la gare de Rio Maggiore. Un tunnel piétonnier nous conduit à la place del Vinaiolo, puis nous continuons jusqu'en bordure de mer. Mosaïque dans le tunnel. Nous retournons à la gare de Rio Maggiore pour revenir à La Spezia. De la gare de La Spezia, tout en flânant en ville, nous rejoignons l'arrêt du bus navette qui nous conduira jusqu'au Diadema. On distingue les superstructures des bâtiments de guerre.